Nous sommes ici à Erquy, devant cette belle maison qui a été rénovée. Dans cette maison, il y a une verrière et dans cette verrière, vous avez un escalier sous voûte sarrasine avec une main courante en plâtre, en staff exactement. C'est un ouvrage essentiellement fait de plâtre, c'est ce qui en fait son originalité. Pour tout ce qui est montage de structure, on a du Lutèce bleu, du Lutèce rouge. Pour tout ce qui est enduisage et finition, on utilise du 33 Expert. Pour tout ce qui est main courante, on va plutôt utiliser du Bolda Duo. On fait appel à un tailleur de pierre qui a fait le débit des marches et contre-marches en s'appuyant sur notre étude. Le challenge essentiel pour moi sur le chantier, ça a été le fait de faire tenir un escalier sous voûte sarrasine dans le vide. C'est-à-dire qu'un escalier sur voûte sarrasine, ça s'appuie sur des murs extérieurs. Là, il n'y a pas de mur extérieur puisqu'on est dans une verrière. Et donc, il a fallu qu'on fasse débillarder un IPN. On l'a intégré dans la voûte. On a renforcé par des points qui s'alignaient sur les montants de la verrière. Et la main courante, qui est en staff et qui sert aussi de raidisseur. Ce qui m'a rendu heureux sur l'escalier sous voûte sarrasine que j'ai réalisé, c'est tout simplement que j'ai défié les lois de la gravité. Normalement, il s'appuie sur des murs maçonnés et celui-ci, il s'y tient dans le vide. Donc c'est ça ma joie.